D'ailleurs, bah, on a quelques collègues sur place et qui me disaient à l'instant qu'ils y étaient pas encore. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir rempli cette salle pour du PUBG quand même. Ouais, et là Ça ça serait va beau. commencer en tout cas sur Miramar. On est parti avec une ligne est-ouest sur l'horizontale M. Et on va certainement avoir une disposition très rapide au centre du premier cercle. Oui, Les oui, oui. votes sont ouverts dorénavant. F5, les votes sont ouverts. Faites F5. Actualiser, c'est bien entendu, et on dit F5 puisque ce n'est possible que sur PC. Il faut donc vous lanciez Twitch sur votre ordinateur et puis que vous suiviez les instructions en bas. Vous mettez la souris sur l'écran et vous avez normalement une petite fenêtre. Et c'est assez simple. Et c'est parti avec les Ghosts qui jouent à l'est de la map sur Puerto Paraíso. FPP Day 4, Round 1. On y est, mon petit Passy. C'est parti. C'est Et c'est parti. parti aussi pour un duel direct entre les Liquid et les Made in Thailand. Et ça risque effectivement d'être déterminant en ce début de partie. Difficile de complètement s'éviter et looter efficacement Sur une ligne aussi sur serrée, ouais. Pekado. Escalusia avec un accoutrement fort rigolo, en tout cas. La seule Arengar solution Kin. pour eux sur Pekado serait vraiment de se respecter chacun à côté de la ville. Ceux au nord ne se sentiront pas trop lésés puisque il y a quand même le ring, mais Ce Skoom est au contact. shift sud de la première zone. Heureusement que la ligne n'était pas complètement au nord parce que là ça aurait été un carnage. Bah, et on peut repérer comme d'habitude d'ailleurs qu'il y a assez peu de joueurs au nord de Miramar. C'est vrai que c'est assez rare, on peut trouver certaines teams en recherche de spawn qui vont aller s'installer sur des Cobrerias, rarement plus haut. Non, clairement. Mais ce shift, pour ma part, me fait plutôt plaisir puisque tu le sais, Wastug, j'adore cette partie de la Moi map et il aussi, me c'est semble celle que je trouve la plus que c'est esthétique. partagé, Ouais. ouais. Je trouve qu'elle se joue à peu près de la même façon que le reste de la map, mais je trouve qu'elle est vraiment esthétique, elle est très belle. Les Ghosts sont plutôt bien mis à l'est, ils vont pouvoir vite looter, ils étaient en début de ligne, ils vont pouvoir rapidement looter, s'installer peut-être en centre de zone. Les Navis qui ont pu looter un petit peu plus tard sont à l'ouest et vont pouvoir certainement faire de même. Los Leones investit, mais moins que ce qu'on peut avoir l'habitude de voir avec parfois 2-3 équipes. On a les WTSG, pas très loin des Crest Gaming, Xanadu avec Hanblo, Shamblo, qui est en train d'esquiver les balles. C'est les spots qui ne sont pas trouvés malheureusement. Les balles d'un joueur refound qui est le patron seul sur la hacienda. Le patron de cette première partie, c'est lui. Tout seul ici, tu te fais plaisir. Hein. C'est vrai que c'est un spawn qui est toujours joué. En général, il est joué soit à 1, plus souvent à 2. Avec quelques joueurs autour, que ce soit nord ou sud-est. Là, il va falloir être rapide puisque la zone avance déjà dans 3 minutes. Et on l'a vu, ce cercle, ce shift délicat, compliqué. Heureusement, la plupart des joueurs ont vraiment joué le centre. Et c'est vrai qu'en sur Miramar, jouer les spawns au centre, autant qu'il peut être intéressant de jouer Pochinki pour cette raison sur Angle. C'est vrai que là, sur Miramar, jouer les extrémités est un vrai risque à prendre. Et en Il y a quand parlant même beaucoup de spawn. de risque, les Honey Badger Nation qui vont à Cruz del Valle pour aller looter, ils s'éloignent énormément, ils vont certainement du coup pas jouer le winning move d'aller centre de zone, mais arriver tard dans la partie. Pas de first blood pour l'instant. Et on a toujours la team Liquid hein, qui s'est un petit peu séparée, qui est partie au sud de Pekado avec les Mythes au nord. Et je sais pas si le stream map que nous avons nous sur un écran secondaire est disponible, mais c'est pas mal parce qu'ils ont mis un live des statuts en fait d'état de vie des équipes et des joueurs. Du coup, vous pouvez effectivement en direct normalement, ça devrait être mis, s'ils l'ont mis, c'est que ça. Oh Oh, non, non, pas Trident comme qui est trouvé ça. par contre par le Crest Gaming, Xanodu, Aries. Ça va être le first blood de cette première game en FPP. Et ça fait pas plaisir de voir Draiden mourir. Les OMG avec Xiaorang sur les 4AM. Les 4AM, on vous le rappelle, plutôt favoris pour moi hein, côté asiatique en FPP. Ils sont bien déclarés hier.
Après, les Knights, on sait qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout des parties en perdant des joueurs. Et d'ailleurs, on a pu remarquer au qualifier EU où Krama était particulièrement en forme, que lui arrivait à tenir. Ça a été plus compliqué dans le tournoi TPP. Il était souvent coupé dans ses rotations de manière assez brutale. Ce qui peut être assez frustrant hein, parce qu'on a l'impression de pas pouvoir jouer sa game en FPP. Et là, Dredon malheureusement tombe, mais A3 et Krama debout. Tout est encore possible, rien n'est joué. J'ai confiance. Les Liquid qui ont décidé de partir. DW, TSG, Gaxi sur San Martin. Pas de casque encore pour Gaxi. Un bonnet esthétique. Il vient de trouver un T2. Vard. Clairement, là, si les WTSG négocient un deuxième podium, bon, de toute façon, je pense qu'ils vont être appelés par une structure. Ça serait fou à ce niveau-là de pas. Bah, en fait, tu t'étais dit effectivement dans un premier temps. Et j'étais plutôt d'accord, et c'est Benji finalement qui a été le plus juste, je pense, là-dessus. On s'est dit, une équipe qui va aller à un major, où de toute façon ils y vont, c'est pas. Voilà, c'est, ils ont pas besoin d'une structure. À ce tarif, ils sont qualifiés, tout se passe bien de ce côté-là, même au niveau logistique pour eux, étant donné qu'ils sont invités. Bon, on s'est dit, comment une structure ne pourrait pas vouloir mettre son nom. C'est sûr qu'ils ont eu des propositions, puis ils ont réfléchi et ils se sont dit, attendez de voir après le score. Tout, voilà. Parce que est-ce, si qu'on, on... est-ce qu'on jouerait pas ce coup-là de marquer un gros coup? Et ensuite, on fait monter les enchères. C'est un risque bah, qui semble-t-il a été pris. Ils ont déjà validé à moitié. Enfin, franchement, tu fais top 3 en TPP, c'est bon. En attendant, on a Semti qui s'occupe de Escalusia de chez les Made in Thailand, le Second Blood, bientôt confirmé. Oulala, attendez, il y a un affrontement important entre Liquid. Smith qui a dû se cacher, Onboya. Il s'en est sorti de peu. Et voilà, Jims qui a été knock par contre par Minoru. Il faut le protéger, il faut le smoke. Ibiza qui se place dessus. 3v3, une smoke. On remarquera que Jims était effectivement pile à la bonne hauteur. Encore une fois, et c'est important, quand il est knock, il est plus dans le champ de vision de l'adversaire. C'est ce qui permet vraiment de jouer les duels et de pas hésiter avec ses mates. Il faut y aller, franchement. La flash, ça aurait été... Oh, il avait une nade. Minoru qui va timer. C'est bon. Ils sont déjà partis. Jims a été... Jims the Cyborg, hein, comme tu aimes l'appeler. La gâchette de feu. Le real human. Le real human qui va être mis debout. Il se soigne pas pour l'instant, il garde la ligne Ibiza. Semti. Escom qui protège. Et la Genji Gold. 4 véhicules qui sont en train de négocier par l'est de la map pour aller peut-être se placer au sud de l'Est Léonès. On va voir quel est le call. Pittsburgh, ça veut dire quoi, Weistug? C'est une ville, les amis. Jims qui a réussi à se remettre en vie. Je suis curieux de savoir ce qu'il a pris comme dégâts, par contre. Est-ce qu'il a pris headshot ou body shot? Parce que là, pour justement cette hauteur de fight, si t'as pas de casque, tu vas devoir être beaucoup plus timide. Made in Thailand, on l'a vu privé d'un joueur. Jims, côté Liquid, a été récupéré habilement, hein, de la part des Liquid, parce que bon, comme on vous le disait, je pense en BO8 tu peux rater complètement une game et tu peux encore prétendre à la première place. À moins de faire, voilà, au regard de ce qui est possible de faire, de top 1, si t'es vraiment en forme, du bon scoring dans le top 5-6, tu peux rater une game, sortir top 20. Effectivement, on voyait sur la map et là à l'écran Critical qui essaie de s'en prendre à SK, qui s'en sort parfaitement. L'escape. Ça fait plaisir de voir du haut niveau sur Miramar, et on voit sur la minimap Onibadger Nation qui sont en train d'arriver du nord. On a un joueur d'Onibadger Nation qui allait encore plus haut que Cruz del Valle pour aller looter. Ils sont dans le bleu, ils vont arriver et l'insertion va être délicate. Peut-être miser sur un Artshift au nord pour leur permettre de s'insérer plus facilement. On a les Oyun Ismetleri, l'équipe turque qui ne s'est pas trop révélée sur l'ensemble de cette compétition. Et dans le jeu, effectivement, de Santi, on veut pas laisser tranquille les mythes. Et on le sait, les kills sont importants. 3% chaque kill. Benji le disait,
Quand une équipe comme Genji Gold hier enregistre un top 1, 20 kills, nous l'avons vu dès la première game, 800 points marqués par une équipe Après, sur un BO4. Fallait faire les 800 points sur un lobby de ce niveau-là parce que c'était quand même beaucoup plus polarisé. Ils l'ont quasiment fait, hein. Ça n'a pas été 800 piles, mais ils étaient à 40-60 points, quoi. Y a quand même eu des games à le premier, y a eu un top 1 12. Oui, ils ont fait 16 kills. Ils ont fait un top 1 16 kills. C'est pas faux, ouais. Donc au final, ouais, c'est ça, t'as moins 60 points, 740 points enregistrés en une game. Ce sera peut-être plus difficile en FVP. Sur les mythes, le deuxième duel des mythes, là c'est difficile pour Onyuctive qui n'a plus de man de balle. Momino qui garde la ligne. Alemni 14, la Nike qui va être envoyé derrière le rocher, c'est bien timé. Et c'est Vard qui récupère le frag. Oh les mythes, oh. C'est terminé les mythes, les Made in Thailand. Voilà la game. Joker, et ils ont eu la chance à Vanguard là-dessus parce que ils ont été fortement aidés par WTSG qui leur vole un kill certes, mais leur permet d'expédier ce fight extrêmement rapidement et de se remettre directement dans la dynamique de jeu. Et c'est plutôt bien joué de leur part. Et regarde les Honey Badger Nation ainsi que les Crest Gaming Xanadu. On voit que c'est des équipes qui ne sont pas franchement révélées sur le tournoi TPP et qui jouent un jeu serré, safe, bord de zone. On verra, peut-être que c'est le manque d'entraînement sur le format. Miramar, oh le Shield Shift Sud-Est. Oh là là, cette taille de zone. Mais ça va être le feu là sur la troisième phase. Ça va être le feu, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Surtout sur Miramar, t'as énormément de d'où l'intérêt cliff, hein. Effectivement de jouer un petit peu plus. Enfin étaler un peu plus le facteur terre. C'est une option que vous pouvez rajouter à chaque phase zone pour déterminer si elle peut effectivement ou pas shift vers une partie aquatique. Le souci, et Wastock vient de le souligner, c'est qu'en fait, vous le voyez, il y a déjà une grosse partie de la zone respirable, la zone safe qui est dans l'eau. Donc ça laisse très peu d'espace sur terre et les fights vont être, notamment en plus sur Miramar, on sait que cette map est réputée au moins pour ça, on peut pas lui enlever. On a de beaux fights sur Miramar et ça va être sanglant. Je veux juste souligner la position des golds qui sont quasiment... qui sont en fait au centre de la zone terrestre. Ils ont fait leur rota. Bah parce qu'ils savent que sur la 4, ça va remonter. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage de pas lisser le... Ça enlève vraiment trop le factor NG, c'est-à-dire... Quand t'as une zone typiquement comme ça, tu sais où ça va aller en fait. Tu sais, c'est... Et vous, je pense pas que je me tromperais parce qu'il m'a pas semblé voir des modifications très poussées de ce côté-là. Et c'est des paramètres qui, en tournoi par exemple GLL, Ozome ou Obsidius, sont un petit peu plus lissés. Texas en tout cas a été trouvé par ton favori, Lion Kaka, Ogroza. Les Navy qui étaient plutôt bien à l'ouest hein, sont au final late et vont laisser pas mal d'équipes déjà zonées être placées. Et ils vont devoir négocier une entrée de zone par l'ouest. Ils vont certainement trouver de la résistance. On rappelle que les Mythes sont sortis, les Pittsburgh Knights sont déjà à 2 et les Oyun Ismet Leri sont à 3. Le live status c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut par défaut dans le jeu. La possibilité également d'avoir les logos, les tags de team sans forcément avoir le tag dans son nom. Il nous faut ces options pour qu'on puisse effectivement sur... tu vois qu'il n'y ait pas trop de différence entre un Major et une production régulière. Alors qu'ici on retrouve Black Esther pour la formation coréenne Genji face à Lame. Ils avaient une bonne opportunité d'aller chercher le winning move mid. Et ils ont mis énormément de temps et là ils vont devoir encore s'insérer. Ça va être compliqué pour Navy malheureusement. Et je parlais de cette game, de cet allumage de moteur. Je sais pas si ça va être la bonne pour eux. Xaron pour OMG, une des deux équipes chinoises avec 4AM. Les WTSG toujours à 4 également, ils sont juste sous le timer pour nous. Placés aux abords de la route du coup. Oyum Ismet Leri, eux sont complètement split. On a deux joueurs au contact de deux joueurs Savage, eux aussi split avec un petit 300 mètres d'écart entre les deux duos. Ah, les Liquid qui vont devoir jouer bord de zone hein, sur cette insertion. C'est pas le style de jeu où ils sont les plus percutants.
Et on a les Genji Black avec Sexy Peak dans un véhicule. Ils sont à 4 dans un véhicule. Ça risque d'être de leur coûter cher. Et c'est Ouba pour un avis. Le duel, le trade entre Ouba, Crest Gaming, Zanodu. Les Genji Black qui ont été justement interceptés dans ce véhicule dont on parlait par les Crest Gaming. Et Crest Gaming Windfall qui s'attaque au Crest Gaming Zanodu. Oh, les Genji Black. Regarde, elle redescend encore la zone. En tout cas, elle est pas nord-ouest. Et les Genji Gold sont encore bien placés. Ils sont encore bien placés. Les Ghost Gaming ont split 2-1. Et ils sont en train de garder en étau. Même d'avoir les icônes. Super fight ici. Bien joué de la part des joueurs japonais qui sont entraînés face à l'équipe coréenne Genji Black. On a pu voir qu'effectivement les deux formations, il y a ces deux structures ont deux équipes en fait dans la partie. Ce sont les deux équipes japonaises qui viennent de s'en prendre à Genji Black, Crest Gaming, Xanadu et Windfall. Ouais, peut-être qu'ils se révéleront-ils sur ce format, mais les Navi qui tant bien que mal essayent de résister. Et cette zone, effectivement, qui, comme prévu, s'annonce du côté que beaucoup de joueurs attendaient. Ah ouais, mais d'autres là, moins. La sortie, là, compliquée. Par contre, moi aussi, qui se trompe beaucoup sur le... Oh non, oh, les refunds qui vont encore devoir se faire rembourser. Le kill n'a pas été donné, en tout cas. Un joueur japonais tombe, Monsieur Yopi. Ils ont eu beaucoup de chance les Navy là parce que Mossi aurait pu faire un carnage sur la rota des Navy. Je sais pas, il a tiré trop vite, aucune balle n'a connecté. Il ne sait pas le recul ce reset. Gokun. Les OMG qui perdent un joueur Xiaorang. Et les Ghosts aussi qui sont plutôt pas mal. Avec Profi par contre il va devoir tanker ces OMG qui sont au bord. Profi qui avait fait, qui avait joué le rôle d'éclaireur pour son équipe, hein, qui est déjà placé en zone isolée. Lion Kaka, ton joueur préféré, qui a déjà sorti un joueur EU. Raiden. Effectivement, il couvre la ligne pour son mate qui est en train de relever leur partenaire au sol. Navy avec la zone dans le dos. Ça va pas être simple pour eux. WTSG qui s'en prend à l'équipe Liquid. Alors que nous sommes nous sur Refound. Mais c'est pas possible, mais OU, le choke absolu. C'est pas possible de rater ça. Mais quel choke, le pauvre. Il peut s'en vouloir là. Il aurait pu déjà trouver un knock. Après il est zoné, il a un petit peu le temps. Il va envoyer ici cette grenade. Non mais les Refound vraiment qui montrent qu'ils sont pas au niveau hein. Depuis le début de la compète, et là, d'un point de vue micro, c'est dur. Sempty, en tout cas pour Liquid. Ah, les Liquid qui sont fait prendre à partie par leur frère EU. On a les Ghosts ici. Liquid, effectivement, qui vient de souffrir face à WTSG. On aurait aimé voir ce fight d'ailleurs, et c'est cette option qu'il nous faudrait pouvoir revenir sur un fight qui vient de se passer. Fonctionnalité existante sur d'autres jeux d'ailleurs. Crest Gaming. Le tir à l'épaule. Allez. Ah, c'est un petit qui sort. Ah, c'est la plaque de verglas pour les Liquid. 18ème. C'est leur game joker. Hein. C'est leur game joker. Ils ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent chercher la première place à moins de vraiment de sortir. 18ème, c'est pas de points du tout là. C'est dur pour Liquid, c'est dur pour Knights qui sont à 2. Il y a des chances que dans ce format quand même on va avoir plus d'équipes à l'aise. Les Navi d'ailleurs qui ont un parcours difficile mais qui arrivent à avancer malgré tout. Avec la petite erreur du joueur Team Gates qui leur permettent de sortir de l'endroit où ils étaient. Mais là il leur reste énormément de distance à parcourir. Et c'est peut-être en finale la game dont ils ont besoin les Navi. Ils ont besoin de s'allumer ces joueurs CIS, de donner le tempo. Et c'est Meo U qui se fait choper par le Crest Gaming Windfall, le Vary. Les Japonais qui ont raison de Meohu. Les Gold arrivent alors que HQ quitte l'emplacement du colis. On voyait tout à l'heure Ghost Gaming également bien géré de leur côté. On avait Navi sur les traces de 4AM.
Ils les avaient repérés en train de monter la colline. Et ils sont... Ouais, ils sont 150-200 mètres derrière. Il va falloir y aller puisque la zone avance. 3 minutes. Ouais. Et les Japonais qui sont récupérés par les Américains, Team Gates, peut-être qu'ils vont se révéler. Hein. On le rappelle, le premier du site américain, Team Gates. Du Nord américain, ouais. Nord américain, ouais. Ouais. Qui ont fini dernier au tournoi TPP. Alors, bon, on verra. On avec Refund, effectivement, qui s'était sauvé sur la dernière, mais... Et là, on voit que... Alors, Nevi, là, avec Kylaim, peut-être sur le Vary pour éliminer l'équipe japonaise. Le full, et c'est bien maîtrisé. Voilà, Crest Gaming, Windfall, l'équipe japonaise qui sort 17ème. Et les Navis qui sont en train de faire exactement ce dont ils ont besoin. Nettoyer le sud pour avancer au sol, protégé par ceux des verts. Et c'est marrant, on a eu trois explos de véhicules, mais... Mais à chaque fois, ça a été pris par les joueurs eux-mêmes. Les équipes n'ont pas récupéré le frag. Et mine de rien, les Oni Badger Nation qui ont réussi avec ces shifts à s'insérer très tardivement. Et Genji Gold avec SK, le monstre, OSKS. Ils sont positionnés pour intercepter Nevi notamment. Ah, cette game va donner le tempo. Hein. Si Genji Gold marque un bon score déjà, psychologiquement, ça va impressionner les autres équipes. En tout cas, ils ont créé, ils ont leur espace et ils ont créé de l'espace autour d'eux surtout. On voit du Navi qui est en train d'essayer de monter, forcément on va vouloir s'insérer. Les 4IM qui laissent pas Krama s'insérer non plus là. Les Knights qui sont à 2. Et les Oni Badger Nation contre les Savage. Grizzly. Les WTSG qui vont... Qui sont insérés, qui sont zonés à l'ouest, mais bien, bien pressés quand même. Ce sont les Savage qui sont un petit peu mis à mal. Et là on voit les Knights hein, qui décident de splitter leurs joueurs. Avant-Gard bien placé en bord de zone, on voit que ça tire sur Krama. On essaye de récupérer les Ghosts en fait plutôt, j'ai l'impression. Krama lui est au milieu des balles, il a été touché d'ailleurs. C'est Mikoy là pour Ghost qui vient de renverser un de ses adversaires côté Team Gates. 4IM et ce tracking absolument magnifique de God V. Tu as vu cette cadence millimétrée? Non mais oui, c'est au contraire du joueur Team Gates tout à l'heure qui vraiment s'était énervé sur la gâchette. Krama a été trouvé. Il reste toujours Voxic un petit peu plus loin. Vous voyez qu'ils sont à 200 mètres l'un de l'autre. Ça se fait énormément hein, d'envoyer deux Lone Wolf quand on est à deux. Difficile cette Miramar pour les équipes EU. C'est beau ça, Navy, regarde cette insertion, ils ont réussi à négocier par le sud. Ils ont réussi à négocier par le sud. Les 4IM. Mikoy a été trouvé. SK qui trouve un autre joueur japonais des Crest Gaming, Xanodu. Et Voxic en bord de zone. Les gars doivent devoir absorber les avant-gardes qui sont en train de remonter vers lui. Les Golds sont en train de se déplacer. Effectivement, plusieurs rotations. Peut-être le duel contre Navi. Peut-être le duel contre Navi. Simessen qui est pas très loin, moins de 50 mètres. Molodoy. Non, 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 regarde, c'est parti. C'est pas possible. Boca Drainus qui trouve Simessen. Voilà les Devi qui se réveillent dans ce format FPP. C'est leur format. Ouba peut-être sur Shellator avec le full. Non, on peut pas se permettre de perdre. Oui, c'est trouvé. Voilà les Genji Gold maîtrisés par Navi. Le CIS qui se réveille et qui sort. Trois joueurs et qui de montrent qu'ils la sont formation. Capables de jouer. Mais les oui, extensions. Les effectivement. Voilà les Navy, on les attendait au tournant. Le rouleau compresseur d'Europe de l'Est. Ah, une équipe extrêmement suivie. Hein, ah oui, ça fait plaisir de les voir. Parce qu'ils nous offrent du beau jeu, du jeu aggro en FPP. Ça fait plaisir de les voir réveiller. C'était l'éveil de la bête. Toujours mais là. SK toujours là pour aller gratter le top 3. Ouais. Voilà, donc faut faire attention. SK qui... un monstre de joueur. Allez, les Navy contre les OMG. Une autre équipe chinoise. Les 4IM pas très loin non plus. Beaucoup d'équipes asiatiques est déjà en place. OMG que j'attends particulièrement côté Asie sur ce format FPP. Ils ont été loin d'être ridicules, hein, clairement. Sur le tournoi TPP, ils ont fini 4ème. Non, clairement. Avec une remontée assez fulgurante des WTSG. Donc. Malheureusement pour Navy, ils se sont fait piquer de frag. Hein.
Donc ils ont sorti une grande menace, Gol, qui était en train de jouer la même zone qu'eux, mais... Oh, on va faire pas attention, c'est pas trop cher payé l'insertion. Ils sont pris dans les taux. Chinois là, OMG 4AM. Faire attention, bien se placer au niveau du dévers. Et les gold. Voilà les Genji Gold. 15ème. Les Genji Gold avec SK qui est sorti. Les 4AM qui sont en train de s'insérer. OMG, par contre, on en parlait. Ils trouvent Drenis, le joueur star, et on entend le stade. Mercedes-Benz Arena de Berlin. Pour cette équipe chinoise. Navi qui a quand même eu un très bon timing, il faut effectivement le souligner. Sur la rota des Gold qui a été un peu hésitante, je les voyais pousser. Mais c'est vrai que nous, on sait qu'il y a, s'il y a ou pas quelqu'un plus loin, eux non. Ils avaient décidé de s'arrêter du coup au mauvais endroit, au mauvais moment. Ils n'ont tout simplement rien pu faire. SK était à l'écart de ses mates. En tout cas, les WTSG sont à 3. Les Knights tout seul. Team Gate, il reste un joueur. Deux joueurs pour les dans la smoke ici. Ouais, bah c'est. Refund, c'est terminé, top 13, suivi par Crest Gaming, Xanadu, top 12, 4AM, GodV toujours. Et c'est trouvé, les Oyunis et Metleri là qui sont tous sortis, les 4AM dont on vous disait en début de la compétition qu'on attendait au tournant, et là ils se révèlent en FPP, on les avait vus jouer en FPP, le full de Vard sur les Savage peut-être, ils sont toujours à 3, les Européens WTSG qui ont mis à mal d'autres Européens, les Liquid Voxy cachés derrière... Caché mais repéré. Oh les tirs à la K là, il reste 25 cartouches. Ouh, à Edge. Ouh Lion KK, regarde-moi ça, la grenade sur Molodoy. Et effectivement, il le conclut à la Groza. Le joueur chinois qui continue. Navi, deux joueurs. Et c'est le rouleau compresseur chinois là. Ils sont 7 joueurs à tourner autour des Navi. Ils sont malheureusement positionnés. Il reste plus qu'un joueur, il reste Highlime pour Navi. Après cette insertion difficile, ce duel contre Genji Gold, quel dommage pour eux. Miracu qui a été trouvé par Avangard et Voxic aussi qui sort à la 10ème place. Highlime dans sa guitoune. Il va falloir laisser les équipes chinoises se traiter, Mr. Highlime, et sortir tel un phénix de ses cendres. Et c'est terminé en tout cas pour Navi. Top 9. Top 9 à cause de cette grenade. C'est dommage, mais malheureusement, ouais, ce rouleau compresseur, on pouvait rien y faire. 4AM qui, hier en FPP sur le Charity, ont brillé également dans l'équipe Alpha. Ouais. Ils auront été rattrapés forcément beaucoup trop fort hier par les papas. Une autre équipe CS, pour l'instant au complet, les Avant-Garde. Pas très loin de Gaxi et Vart, ils se sont splittés en 1. Et cette équipe australienne, P4 Potato. Et mal en point, les Avant-Garde qui vont bouger sur Mex. Mex va-t-il les surprendre? Et non, c'est Bumino qui va le trouver, bien sûr. On va finir peut-être d'enfoncer les portes sur l'équipe australienne. Et les 4AM qui s'en chargent, ça pourrait être un bon move hein, de la part d'Avant-Garde de garder la ligne pour choper les équipes. P4 Potato qui est traité par GodV. Non mais les 4AM mec en FPP non, ils sont solides hein. Ils sont solides. GodV c'est une machine. Gukun il est également très 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 bon. Une belle équipe là qui se retrouve malheureusement agressée par OMG qui décide de reculer donc à la paire de GodV. Les grenades qui étaient un petit peu courtes sur l'engage de ce fight sur TV Sport qui avait une trentaine de mètres de retrait. 10 frags pour Avant-Garde. 10 frags pour cette équipe CIS qui est vraiment en train de prendre l'avantage. Mais Champs qui ne fait qu'une bouchée de dièse. Lion KK encore. Hein. Il avance, il tombe sur l'équipe taïwanaise AHQ Esports. Alors qu'on vient de citer un très beau shoot au car de la part de Champs. Et le fight pour jouer l'insertion. 30 secondes avant que la zone avance. On a Oni Badger Nation également. Ouais, Oni Badger Nation qui est arrivé du nord. Combien de frags ont-ils fait? Ouais, elle était belle celle-là. Et elle ne fait rien. Curieux. Mais en tout cas, il a tombé Xiaorong. Il a tombé Xiaorong. La revenge par contre de Lion KK. En fait, c'est parce que moi aussi au début j'ai l'impression qu'elle a été lancée de l'autre côté. Mais c'est AHQ sur effectivement Xiaorong.
Les Oni Badger Nation, je suis curieux de savoir combien de frags ils ont fait parce qu'ils ont vraiment pas fight de la journée. Hein, là, pour cette, c'est d'ailleurs le cas, ils ont pas fight de la journée, ils arrivent du nord, ils sont insérés super tardivement et pour l'instant ça leur réussit plutôt bien. Ils sont top 8 à 4. A priori, full protect. Pendant que les équipes chinoises au sud. Oh là là, Low Kicks qui trouve ses PT. Ce petit spot. Tricky. Et c'est Gokun qui va prendre le duel. Très vulnérable face aux grenades, hein, par contre. Et voilà. Ou au Molotov. Et effectivement, c'est comme ça qu'on va faire décamper le joueur. Et Mon Mino qui garde la ligne derrière. Quel monstre! Allez, il faut finir. Oh, ils sont trop forts, les 4AM. Un tout petit peu de réussite. Critical sur le duel. Aloka le trouve et sort les Chief Esports Club. 7ème. Les 4AM, on entend à chaque fois qu'une équipe chinoise se manifeste, c'est la cohue. 75 points de kill déjà pour Lion KK. Les 4AM sont en train de marquer un grand coup également. Ils sont malheureusement plus que deux. Ça va peut-être être un peu compliqué d'aller marquer les gros points de positionnement. Les points de placement qui restent les plus importants, ouais. Quoi qu'il arrive. Là, c'est vrai que les avant-gardes sont quand même bien. Ils ont 10 frags. Contrairement aux Oni Badger Nation qui sont à 4 aussi, mais qui sont pas trop rentrés dans la game pour l'instant. Mais voilà, qui rentrent et qui sortent Xiaorang avec Timid. Xiaorang qui tombe pour la deuxième fois. On a Lion qui est toujours derrière, qui est en train de s'en prendre là, avec sa Groza silencieuse, on l'entend. Ouais, oh là là, les avant-gardes, ils sont en train de nettoyer. Il reste Vard au sol. Ouais, parce qu'on parlait de Navi, mais regardez effectivement Avant-Garde. C'est vrai qu'Avant-Garde, depuis la perte de Draeni, c'était plus trop ça, ça connectait plus trop. Et au final, est-ce qu'ils n'auraient pas retrouvé un élan avec cette nouvelle formation? Oh, et ça fait un moment déjà. Lion KK sur le duel là, avec Leoni Badger Nation. Oh là là. Lion KK, mais c'est une bête sauvage. Momino qui trouve timide. Et les 4AM qui sont en train de se battre également contre Avant-Garde. Ouais, mais les Avant-Garde qui sont en train de déchirer absolument tout. Il reste Vic qui est au sol allongé. Mais les Oni Badger Nation, voilà, qui sont insérés très tardivement mais qui n'ont pas réussi d'un point de vue micro à gérer cette équipe OMG. Et le placement. Très curieux de savoir combien de frags ils ont fait au total. Il reste Vic au sol. On a beaucoup d'armes de colis dans cette Regarde-moi équipe. Regarde-moi ça, Diez, il est en train de tout gérer. Les Avant-Garde qui sont à 3, hein. Il s'en sort de peu avec cette zone qui bouge à 3 secondes. S'il était knock au bord de la zone Avant-Garde, se priver de lui. Et malheureusement, cette zone qui a avancé, lui non. Ça l'a donc neutralisé, récupéré par Xiaorong. Un frag de plus pour OMG. Et tu vois, c'est des... Ouais, non mais deux frags, Leoni Badger Nation, c'est des équipes qui jouent scared. Et oh là là. Mais oh bon, là qui là. Vont rater le top 5, hein, qui vont rater le top 5, ça peut être une bonne opportunité. Pareil pour les AHQ. Avec Winner, l'équipe taïwanaise qu'on n'avait pas vu franchement sur le tournoi TPP. Et ils aiment bien les buissons, Winner qui est caché dans un buisson du coup. Oh, j'ai eu très très peur. Vard aussi pour WTSG mine de rien, qui va chercher les frags. 4 au total, et qui va chercher les places. Winner qui est juste à côté, qui voit ses adversaires. Et il veut jouer le top 3, le top 2. On sait que ça fait toute la différence. On le voit à chaque fois à l'issue de 8 matchs, quelques points seulement de différence. Lion Kaka avec son Groza, il a fait des dégâts mais monstrueux. Mais les Avant-Garde, s'ils réussissent à mettre cette game, malheureusement... Franchement, OMG sont très chauds et ça continue. AHQ qui est sorti à la 4ème place par le grand Lion KK. Je me suis pas trompé, Wisetug. Je me suis pas trompé. Quel monstre. Vard toujours pour WTSG, également Lone Wolf, et on le disait en TPP, beaucoup moins de Lone Wolf. C'est bien plus le cas, par contre, en première personne. Est-ce que Vard pourrait nous faire une Larsen, là, dans l'affrontement Avant-Garde et OMG? Problème, c'est qu'ils sont pas full vie au Nuctive et un peu low. Momino a pas pu lui donner du stuff. Sur un duel, une surprise, il pourrait, mais... Ils vont pas bouger, je pense. Hein. Ils vont pas bouger, ils ont envie que le dernier joueur se fasse éliminer. Xiaorang qui trouve une active. Et Momino qui va tempo. Et les WTSG qui vont trouver la place. Momino qui trouve un knock. Et attends, s'ils offrent encore une fois la victoire au WTSG, Vard, là, il pourrait y aller. Il pourrait y aller et tenter. Ouais, mais ça va vite être joué en tout cas, cette revive.
avec une zone qui met le temps. Et Vard, c'est parti, sans sac à dos. Et WTSG qui accroche des places comme ça aussi, c'est impressionnant. Ça sent bon pour eux en tout cas. Mais là, les OMG, cette équipe chinoise qui va valider cette première game et on voit. Et ravir ses fans. Ah ouais, non, mais nombreux. Là... Nombreux à être venus. Oh my god, effectivement, qui remporte cette game. Avant-Gard, très bon troisième. Ils sont réveillés, hein, clairement, très bon troisième avec beaucoup de frags. Ils vont être les deuxièmes sur ce round au point. Pas très loin derrière, donc ils se donnent toutes les chances d'y aller. On vous parlait de MG effectivement, on vous parlait de ces équipes CIS qui misaient tout sur la FPP. Et ils nous l'ont montré, beaucoup de frags. Navi qui a eu un parcours un petit peu plus mitigé commence un petit peu à rentrer dans la game, dans ce tournoi. On aura 3 games sur Erangel ensuite pour enchaîner. C'était la première partie de ce jour sur Miramar. GG aux OMG, hein, franchement, qui montrent qu'en FPP, il faut les attendre aussi. Et on va voir cette première game sur Erangel avec une méta plus définie. Peut-être avantagera-t-elle les équipes installées qui jouent en FPP. En tout cas, quel game, hein. Avant-Gard et OMG qui ont réussi à vraiment raquer un maximum de kills. Plus de 30 kills au total entre ces deux équipes. 31. Effectivement, presque la moitié des frags réalisés par deux équipes seulement. C'était une très grande première partie pour commencer ce tournoi FPP. On va marquer un court instant de pause. Oui. On revient vers vous dans quelques instants pour la game numéro 2. On vous laisse avec les replays. A tout de suite. Looking down into the thicket, and OMG claim first position.